C'est Soutéphane, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information. Donc on se retrouve pour le pack Duelist Légendaire 3, donc que je vais vous montrer de ce pas. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si ça vous fait plaisir de voir enfin cette vidéo qui était annoncée sur ma page Facebook. Donc si vous voulez me suivre sur ma page Facebook, le lien est dans la description. Il y a un peu de tout, donc parfois je partage des concours, etc., des annonces sur les futures vidéos, etc. Donc voilà, donc ce pack Duelist Légendaire 3, où qu'on peut voir Kaiba avec deux nouveaux dragons, donc qui sont juste ici. Donc ça sort le 9 juin, donc 2018 au Japon, je tiens à préciser. En France on n'a pas encore d'informations. Donc apparemment dans ce pack il y aurait des cartes, donc de Kaiba, de Zen et de deux autres personnages qui sont juste ici, donc Corbeau Hogan et Amagi Cerf Volant. Donc au niveau de la traduction, faites pas attention, hein, c'est pas terrible, c'est Google qui traduit la page. Donc je sais pas si c'est des personnages, mais en tout cas si c'est des personnages, bah, il y aura des cartes pour eux. Donc là on descend, donc on va retrouver les deux nouveaux dragons blancs, enfin les deux nouveaux yeux bleus. Donc un rituel et un effet plus une magie. Donc voilà, apparemment ils seront tous les deux de niveau 8 avec des effets badass. Donc et celui-là, je pense qu'on va pouvoir l'utiliser avec la magie rituelle forme du chaos. Donc ensuite on va passer à des cyber dragons. Donc apparemment on pourra retrouver une nouvelle fusion cyber dragon, une piège, une magie et un monstre à effet. Voilà, je pense là ça explique un petit peu en gros leur effet. Bon, on pourra toujours utiliser puissance fusion pour la fusion. Voilà, et je pense que la fusion aura un combo avec les trois nouvelles cartes, ainsi que pour ce Blue Ace là, donc avec la magie, je pense. Donc c'est pas une vidéo pour expliquer les effets, mais plus pour vous présenter le contenu du pack. Donc ensuite on va pouvoir retrouver des nouveaux ailes noires, donc une synchrone et deux monstres à effet. Donc là on vous explique un petit peu à quoi correspond les trois nouvelles cartes. Donc je suis pas très fan des ailes noires, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais je pense que ça va être fort. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, on passe maintenant au Galactique. Donc le nouveau Galactique. Ensuite, un monstre à effet. Et une piège. Donc je pense que ça va être bien, bien badass. J'adore les Galactiques de plus. Donc j'ai un deck Galactique ainsi que... ma soeur. Donc là pour ça on va vraiment vraiment kiffer. Donc on avait déjà adoré le bled, mais là je pense qu'on va vraiment vraiment kiffer. J'essaierai de vous mettre les effets des cartes principaux sur l'écran. Donc si c'est ça, je remercierai la page Yu-Gi-Oh n'est pas que pour les enfants, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc je prendrai les effets sur sa page. On avait déjà eu l'autorisation. Donc ici un peu il y a la description. Donc là ensuite on va passer comme à chaque fois quand je fais ce format de vidéo, donc avec la date de sortie, combien ça coûte un booster. Donc en gros c'est 1,30€ le booster chez eux. Donc un booster, il y aura 5 cartes à l'intérieur. Une display de 15 boosters. Donc avec en total 55 cartes. Avec une carte en plus.
Donc il y aura 5 ultra, 7 super rares, 13 rares et 30 communes. Donc voilà, vous voyez au total il y a 56 cartes à l'intérieur. Donc en France, je sais pas. Enfin, en France, ça sera différent. Donc, comme tout pack du list, donc ça sera une display de 36 boosters. Donc, on pourra retrouver que des ultra rares, super et rares et communes. Donc, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous remonte un petit peu les cartes pour que vous puissiez bien les voir, ou même à la limite, même pause pour que vous puissiez lire. Donc les noirs, les super dragons, les blue ace et la description avec la date. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc je vous remercie à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à dire si ce nouveau pack va vous plaire. Donc ça sort le 9 juin au Japon. Bon, quelques mois plus tard en France, donc on n'a pas encore de date fixée pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo pour informer un maximum de personnes. Donc voilà, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis amusez-vous bien, John.